L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Thomas Sankara ne mâchait pas ses mots. Ce qu'il nous dit ici, c'est que la liberté ne se donne pas, elle se prend. Si tu es opprimé, si tu es sous le joug de l'injustice, tu ne peux pas attendre que quelqu'un vienne te sauver. Personne ne te libérera si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté. C'est à toi de te lever, de dire « ça suffit », de prendre ta vie en main. Être passif face à l'oppression, c'est accepter l'injustice, c'est renoncer à ton droit d'être libre. Assumer sa révolte, c'est accepter que la lutte sera dure, mais nécessaire. C'est un acte de courage, un choix de dignité. Parce que rester silencieux face à l'injustice, c'est se trahir soi-même. Alors, ne laisse personne te dire que ta révolte n'a pas de valeur. C'est elle qui te mènera à la liberté. Assume-la. Car si tu ne te bats pas pour toi-même, qui le fera? L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Thomas Sankara. Laisse-nous un cœur pour nous soutenir. Enregistre et partage cette vidéo avec tes proches pour les inspirer.